Nous allons lui glorifier pour ce combat. Nous allons lui dire merci pour les âmes qu'il a touché encore. Nous allons lui bénir au nom de Jésus. Bien remercie le Seigneur Jésus. Bénis-le au nom de Jésus. Remercie-le parce que si tu as l'opportunité d'évangéliser, c'est lui qui est en train de t'utiliser. Oui, nous ne sommes pas dignes. Il a passé par nous ce soir et il a touché les âmes. C'est pourquoi tu vas lui dire merci. Il a passé par toi ce soir et il a délivré une âme. Oui, parce que l'évangile, c'est l'évangile qui délivre. La parole de Dieu que nous avons libérée, cette parole a commencé par libérer les captifs. Merci Seigneur, oh pour le coup de vie, merci.
Seigneur, pour la vie que tu as accordée encore, Seigneur. Oh, Jésus, nous te bénissons. Oh, Seigneur, Jésus, nous te bénissons. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, de nous avoir fait grâce. De nous avoir fait grâce, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Ce soir encore, Seigneur, pour les protections, Seigneur, pour les combats que tu as fait dans nos vies. Oh, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée encore. Oh, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Il va venir le nom du Seigneur pour la vie de ces âmes. Pour la vie des âmes qui sont dans ce quartier, dans ce lieu, dans lequel le Seigneur nous a amenés encore ici pour pouvoir les parler. Bénis le nom du Seigneur pour leur vie encore ce soir. Bénis le nom du Seigneur. Pour la vie des âmes qui sont dans un quartier. Bénis le nom du Seigneur pour les élus qui sont dans un quartier encore. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Pour Seigneur Jésus, pour la vie que tu as accordée encore. Les élus qui sont dans un quartier, Seigneur. Oh, les âmes qui sont dans ce quartier, Seigneur. Nous te bénissons encore. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute l'élévation, Jésus. Oh Dieu, Dieu, tu puisses nous te dire merci. Merci, Seigneur. Oh Père, Seigneur, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Pour la vie, le sou de vie, la santé. Que tu as accordé, Seigneur, à tes enfants, oh Seigneur, à tes prévus qui sont dans ce lieu, qui sont dans ce quartier, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Nous te bénissons pour leur vie. Nous te bénissons pour leur vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus pour pouvoir libérer, pour pouvoir exercer ce dimanche dans lequel c'est pas. Nous sommes pour pouvoir libérer les âmes, pour pouvoir sauver les âmes, pour pouvoir les arracher. Dans le péché. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être dignes devant le Seigneur. Nous devons être libérés du péché. C'est pourquoi tu vas rentrer en toi, tu vas examiner ta vie. Tout ce que tu as fait dans la journée, tout ce que tu as lui a dit, tout ce que tu as lui a vu dans la journée, mais qui t'a souillé, qui a souillé ton âme, qui peut être un empêchement que le Seigneur ne peut pas utiliser ce soir, que l'ennemi peut trouver. Une accusation sur toi. Maintenant, il faut avouer cela. Le proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse reçoit la miséricorde. C'est pourquoi nous allons demander la miséricorde du Seigneur ce soir. Nous allons avouer nos péchés, nous allons confesser tout ce que nous avons commis. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants ce soir, Seigneur. D'avoir péché contre toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. D'avoir. Nous te demandons, Seigneur. Oh Seigneur, lave-nous. Lave-nous, sanctifie-nous encore par ton sang. Seigneur, blanchis-nous ce soir. Seigneur, je dis blanchis-nous, Seigneur. Oh Seigneur, oh blanchis-nous. Blanchis-nous. Seigneur, je dis blanchis-nous. Seigneur, blanchis-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes justifiés. Au nom de Jésus, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes pardonnés. Au nom de Jésus, le Seigneur nous a lavés. Amen. Que la prophétie chante maintenant. Que la prophétie chante maintenant par la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Seigneur Jésus. Que la prophétie chante. Demande la présence du Seigneur ce soir. Que la présence du Seigneur soit effective au milieu de nous. Que le Seigneur lui-même vienne. Que le Saint-Esprit vienne nous utiliser encore pour toi. Que le Saint-Esprit vienne nous utiliser pour toi. Oui, demande. Que la prophétie chante maintenant. La prophétie qui est là avant notre arrivée. Que la prophétie chante pour la présence du Seigneur. Que la prophétie chante maintenant. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Seigneur Jésus. Demande la présence du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vienne nous utiliser ce soir. Seigneur, viens nous inspirer ce soir, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, je suis fier. Saint-Esprit, viens.
Nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Seigneur Jésus, viens nous remplir ce soir par ta présence, Seigneur. Viens nous remplir par ta présence, Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Jésus. Ce que tu as dit, ce que tu as déclaré, Seigneur, tu nous as envoyés dans le monde. Pour faire les nations à tes disciples, Seigneur. Nous sommes disponibles, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour accomplir ton œuvre, pour accomplir ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas faire, Seigneur, sans ta présence, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur. Que soit ta présence, Seigneur, viens nous conduire. Que soit ta présence, Seigneur, viens nous conduire. Que soit ta présence, Seigneur, viens nous équiper encore sur toi. Pour annoncer, Seigneur, selon ta volonté. En proie au tourment, parce que de son vivant, on lui a dit, non, va adorer les crânes. On lui a dit de son vivant, mon frère, d'abord la tradition, laissez-nous la faire de Dieu là, d'abord notre tradition, résonnez sur la terre-ci. Il y a une surprise qui vous attend après cette vie. Il y a un abîme qui sépare cet endroit-là entre les sauvés, ceux-là qui attendent l'héritage des saints éternellement et ceux-là qui attendent de subir la colère éternelle de Dieu. On a bien. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Demain, c'est le jour 6 au marché de Médan. Prépare-toi, marché de Médan. Le roi de gloire fait son entrée au marché de Médan. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, après la mort, c'est la fin de la vie terrestre. Après la mort, Et pas toi. Et le temps de se Jésus. Et le temps de se
Jésus maintenant. Jésus Christ. C'est le seul chemin, la Jésus Christ. Jésus Christ. Lui, il est le seul chemin. Il est la vie. Il est le seul chemin. Il est la porte. L'accès au ciel. Il est venu sauver l'humanité. Qui s'est fait crucifier. Pour que toi et moi, mon frère et ma soeur, que nous ayons la vie éternelle. Ne ferme pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle ce soir. Repends-toi, mon frère. Parce que la mort peut te supprimer à tout moment. Elle peut te supprimer ce soir. Demain, après demain, quand tu serais mort, où passeras-tu ton éternité? Ton âme et l'esprit, où ils vont passer? Toi qui te dis que la vie c'est sur cette terre, et tu ne penses jamais qu'après la mort il y a une autre vie, et ton problème c'est d'aller voir ça les morts, ça de changer de femme en femme. C'est de commettre rien que le péché. Et tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur t'appelle ce soir. Donne ta vie au Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur est unique Dieu. Le seul sauveur de l'humanité. Il s'est fait crucifier pour toi, mon frère. Il s'est fait crucifier pour toi, ma soeur. N'adoucis pas ton cœur. Accepte-le en tant que sauveur. C'est le seul et unique véritable Dieu. C'est lui seul qui sauve. Personne ne peut te sauver de tes jours. Personne ne peut te sauver de tes péchés. C'est lui seul qui va te le ôter. Si tu crois qu'il est venu pour te sauver, tu auras la vie éternelle. Mon frère, les temps sont finis. Les temps sont finis. Repends-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu auras la vie éternelle. Le Seigneur veut que tu quittes ta vie de débauche. Que tu te repentes. Oh ma soeur, toi qui continues à vivre dans tes messes, dans tes boucles d'oreilles, dans tes pelles, le Seigneur te dit de te repentir. Toutes ces choses, ce sont des idées devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu portes ces choses. C'est pour ça quand tu es sorti dans le ventre de ta maman, tes oreilles n'étaient pas percées. Pourquoi quand tu es né, toi-même tu veux percer tes oreilles? Tu veux dire que le Seigneur t'a mal créé. Toi-même tu veux te faire encore belle. Oh ma soeur, tu es belle en tant que la façon dont Dieu t'a créé. Ne compète rien sur ton corps. Ton corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi veux percer tes oreilles? Pourquoi veux encore ajouter les choses sur ton corps? Le Seigneur qui t'a créé ainsi, il sait que tu es bête dans ce corps. Mais toi, tu as pris encore les petits serpents que tu as mis sur ta tête. Tu as pris les boucles d'oreilles. Tu as complété ça sur tes oreilles. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à te repentir. Toi qui portes encore ces boucles d'oreilles, le Seigneur te dit que c'est des portes d'entrée. Les grandes choses, ça casse pour ça casse. Jésus. Alléluia. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Amen. Shalom, shalom. Shalom. On va continuer. Amen.
Tu vas trop regretter. Tu vas trop regretter. Je te dis la vérité. Aucune religion ne sauve. La religion ne sauve pas. Aucune autre personne ne sauve. Aucun prophète ne sauve. Aucun marabout ne peut te sauver. Aucun féticheur ne peut te sauver. La femme qui t'habille en vêtements d'homme, c'est ce que tu as une abomination devant le Seigneur. C'est une abomination devant le Seigneur. La femme qui n'a de vêtements que des pantalons, c'est autre chose que les vêtements d'homme. Oh le Seigneur te parle ce soir. Jésus te parle ce soir. Réveille-toi avant qu'il ne soit tard. Réveille-toi avant qu'il ne soit tard. Sors des parures. Sors des mèches. Sors des boucles d'oreilles. Sors des pantalons. Sors des perles. Parce que rien de tout cela dans notre Créateur. L'enfer est un feu éternel. C'est un grand lac de feu. Ma frère, ma soeur, regarde comment la chaleur est chez vous dans ce monde-ci. Ce monde va passer. Donne ta vie à Jésus. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh. Mais Jésus ne passe pas. Le plaisir va passer. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh. Mais Jésus ne passe pas. Les plaisirs vont passer. Les plaisirs vont passer. Oh. Ce monde va passer. Mais Jésus ne passe pas. Si tu es vivant, il faut acheter. Cherchez Jésus-Christ après la mort, ce sera trop tard. Mon frère, Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Jésus t'aime. Moi, j'aime Jésus. Tu aimes Jésus. Alléluia. J'aime Allah. Non, non, non. Il faut aimer Jésus. Que Jésus seul qui sauve. Jésus seul. Jésus seul. Jésus toujours. Bonjour, mon fils. Tu rigoles pourquoi? Ah, un bon sourire. Allez, va sur le site. Juste c'est que tu ailles voir les témoignages et l'enseignement. Comment se préparer pour le retour de Jésus. Tu vois? Sois béni et que Dieu le Seigneur t'accompagne. Ce monde va passer. Mon fils, voilà pour toi. Donne ta vie à Jésus. On doit aller au paradis. On doit aller au paradis. Jesus come soon. Jesus love you. Ah, je t'ai déjà donné. Sois béni. Jesus love you. Jesus love you, Jesus come soon. Ce monde va passer. Voilà pour vous, donnez votre vie au Seigneur. Mettez de l'ordre dans vos vies. Le temps ne vous appartient pas, mon fils. Ce monde va passer. Les plaisirs vont passer. Ce monde va passer. Oh. Mais... Alès aujourd'hui, jeudi. Alléluia. Tenez, accepte Jésus, mon frère. Les temps sont finis. Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous. Jésus revient, tenez, accepte Jésus et tu seras sauvé. Jésus revient, il revient nous chercher. Alléluia. Alléluia. On s'est croisés tout à l'heure. Accepte Jésus, ma sœur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Fille, accepte Jésus. Vous l'appelez ça dans la sourate. Non. Ça ne brûle pas. C'est le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Jésus revient. Mon frère, accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Jésus revient. Il revient nous chercher. Alléluia. Viens, mon fils. Mon cousin, ma sœur. Vous l'appelez Aïssa dans la sourate, c'est le même. Hein? Ouais, mais.
Le seul chemin, c'est Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Mon frère, accepte Jésus. Le seul pour t'aider, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et arrêtez de boire. Ça ira mieux. Mon frère, Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Alléluia. Alléluia. Jésus revient, il revient nous chercher. Mon frère, ma sœur, repentez-vous. Jésus revient, il revient nous chercher. Accepte Jésus, mon frère. Jésus revient. Jésus revient. Mon frère, accepte Jésus. On l'appelle Issa, mon frère. Et nous, on l'appelle Jésus. Jésus revient, Jésus revient. Jésus est Dieu, il est le seul chemin pour aller là-haut. Jésus revient. Tenez mes enfants. Accepte Jésus et vous serez sauvés, les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel, il revient bientôt. Tenez ma soeur, Jésus vous aime. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous, repentez-vous. Jésus revient, il revient nous chercher. Mon frère, accepte Jésus et tu seras sauvé. Tenez mes soeurs, on ne se moque pas de Dieu. Acceptez Jésus et vous serez sauvés, les temps sont finis. Jésus est à la porte du ciel, il revient. Il faut se repentir, les temps sont finis. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Dieu n'est pas Dieu de religion. Il n'est pas Dieu des morts. Tenez, accepte Jésus, ma fille. Jésus revient. Mon frère, accepte Jésus. Le seul chemin pour aller là-haut, c'est Jésus. Le deuxième chemin, c'est l'enfer. Moi, à votre place, je choisirai le paradis. Jésus revient. Mes sœurs, Jésus vous aime. Tenez, venez chercher le papier. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Mes filles, Jésus veut vous racheter au prix d'or de la croix. Et l'enfer existe. Tenez, accepte Jésus, mon frère. Ne perdez pas votre vie dans la vanité du monde. Jésus vous aime. Il revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Mon frère, tenez, accepte Jésus et tu seras sauvé. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il revient nous chercher. Mon frère, ma sœur, repentez-vous. Mon frère, ma sœur, cherchez la face du roi des rois. Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient, cherchez celui qui donne la vie. Alléluia, alléluia. Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez ma sœur. Ah, vous l'avez eu, mais soyez bénis alors. Mes enfants, accepte Jésus. Le seul chemin pour être sauvé. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, mon fils. Tiens, accepte Jésus. Ne ris pas. Tiens, mes enfants. Jésus est à la porte du ciel. Il revient bientôt. Alléluia. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Un petit message pour toi, mes frères. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il revient nous chercher. Tenez, ma fille, tenez, Jésus revient. Mon fils, accepte Jésus et tu seras sauvé. Tenez, ma fille, j'attache tout esprit maléfique dans cet endroit. J'attache tout démon dans cet endroit. Jésus revient, mon frère, tenez, Jésus vous aime. Jésus revient.
Jésus revient, il revient nous chercher. Repentez-vous, repentez-vous. Jésus revient, il revient nous chercher. Rababa shikunagula baba shidona kodadai kinadonasi. Rababa shikunagula bachi. Rogo senogala dege sinagena soba. Tenez, mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Élie a prié. Tiens, mon frère. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Les temps sont finis. Il faut l'accepter. Et fais ton baptême. Et tu seras sauvé. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Tenez, mes enfants. Accepte Jésus. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Christ est le juste des vivants et des morts. Alléluia. Amen. Nous laissons Jésus-Christ. Bienvenue au Seigneur Jésus-Christ. Le temps qui reste est fort. Maman fait de l'île la série bacard. Celui qui a payé le prix de vos péchés. Il est dans la digue de l'île de vos décors et vous êtes tous portés. Va venir, vous serez mes témoins. La Galilée, en Judée, en Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit bien-aimé, tu couvres dans la main. Aujourd'hui, le témoignage de Jésus a rempli la terre. Il est en dépôt. Adorons le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois bête.
Dieu veut que vous soyez beau. Donc quand Dieu t'a créé là, comme tu étais laide. Et maintenant, quand tu veux faire la même belle, c'est toi qui dis à Dieu comment tu dois être belle. Quand Dieu lui-même t'a créé, lui, il a dit que tout ce que j'ai fait est bon. Et maintenant, tu dis que non, Dieu, tu avais échoué. Non, Dieu, même tu as menti. Ce que tu as fait n'était pas bon. Quand moi-même, j'ai mis les cils, j'ai vu que c'est bon. J'ai changé la couleur de ma peau, c'est bon. J'ai porté les pantalons, c'est bon. J'ai mis les mèches, c'est bon. Oh, encore le verre. Viens à l'éternel. Reviens à ton créateur. Il t'aime. Il te pardonne. Il ne tient pas compte de le temps de ton ignorance. Le temps de ta rébellion. Il ne tient pas compte. Il te dit, reviens à lui. Enlève les cils dans tes yeux. Enlève les yeux de Mami Wata. Tu ne vois pas bien. Tu ne peux pas lire la Bible avec les yeux de Mami Wata. Enlève les choses là sur tes yeux. Les lentilles de contact. Enlève les lentilles de contact. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu avec ça. Reviens à ton créateur. Reviens à ton premier amour. Arrête de séduire les hommes au marché. Tu portes le pantalon, on dirait que c'est le serpent qui est en train de manger au milieu des humains. Tu es en train de séduire le cœur de ceux qui sont là. Ce n'est pas bien. Répands-toi. Ce n'est pas bien. Répands-toi. À moins que tu sois une sirène. Mais si tu es un être humain, répands-toi. À moins que tu sois un démon en chair. Mais si tu es naturel, si tu es un être humain, répands-toi. Quand tu vas rentrer chez toi, va mettre tes genoux au sol. Et demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ma manière de vivre est agréable à toi? Seigneur Jésus, est-ce que ma manière de vivre est agréable à toi?